Coucou mes amis, c'est moi Roseline. Oui, regardez, j'ai encore. Alors bien sûr, je l'ai enlevé, mais j'ai encore. Bon, on voit pas très bien parce que là, j'ai juste allumé les lumières, il fait nuit dehors. Le bracelet du coloc. Oui, regardez. Ah, c'est trop génial. Alors, là, je suis. Donc, vous vous souvenez, bien sûr, on a eu ce petit papier. Hein, voilà, nous avons été à Toulouse. La conscience et l'invisible, donc avec tous ces professionnels. De toute façon, je reverrai la conférence en vidéo. Alors là, il n'y avait pas Igor, il n'y avait que Grishka. Donc, parce que moi, après, je suis partie plus tôt, hein, bien entendu. Voilà, je n'ai pas écouté entièrement Morvan Salez. J'ai pas écouté entièrement. J'ai pas pu écouter Jean-Jacques Charbonnier, mais j'ai eu droit quand même à sa photo avec lui et Mario Beauregard. Donc, je réécouterai la vidéo, étant donné que j'ai dû partir plus tôt puisque je reprenais le train. Alors, moi, c'était où que j'avais été manger, moi? Alors, c'était pas le Phuket. J'ai mangé un petit restaurant. Alors, c'était niveau 2. Alors, même, je sais plus comment il s'appelle, accueil. Ah oui, c'était, je crois, restaurant Le Café Barrière. En tout cas, c'était au casino. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'était au troisième niveau. C'est ça. Il y avait le Phuket, mais en face. Donc, non, je suis pas allée au Phuket. Voilà. Voilà, je cherchais le nom. Alors, bien sûr, je fais la publicité de ABC Talc Production, puisque c'est eux quand même qui font aussi pas mal de. Ils ont pas mal de salles où ils font venir les conférenciers. Une autre ouverture d'esprit, ben c'est tout à fait ça. Voilà. Alors. Donc, je vous ferai un petit résumé, moi, de tout ça, mais c'est vrai que je suis très fatiguée depuis que je suis rentrée dimanche. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre-temps, donc. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Alors là, il y avait bien sûr. Alors nous, je ne sais pas, non, nous, on ne voit pas. Donc là, ici, en bas, c'était réservé. Donc c'était les VIP. Et dans les gradins, je crois, je dis bien, je crois que ça devait être la famille ou les amis proches. Dans les gradins, il y avait des gens dans les gradins. Moi, j'aurais préféré être dans les gradins parce que là où on était assis, on était vachement serré, quoi, j'ai trouvé, mais bon. Donc voici Grishka. Donc le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui donc se trouvait en bas parmi les personnes VIP. Donc ça c'est la salle. Donc moi j'étais carrément à droite au fond là-bas. Donc on ne nous voit pas. Mais alors ici, il y a les gradins en haut, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si vous voyez les gradins. Et là, on est beaucoup moins serré. J'avoue que là, c'est ouf. Voilà, 11 conférenciers internationaux. Alors, ici, donc normalement, s'il n'y avait plus de sièges, parce que j'essaye de trouver, j'essaie de me rappeler comment c'était. Non, je crois qu'il manque des personnes encore. Non, non, non. Donc, moi, on ne peut pas me voir avec même Sandrine. Coucou Sandrine. Nous, on était carrément à droite. Donc, on ne nous voit pas. Voilà, on revient. Moi, je sais. Attendez, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas la dame? Non. Bon, j'ai dit, bon, je sais plus. Je sais plus. Il y a eu tellement de conférenciers. Alors, voyons.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tout, tout, tout. Alors, Grishka nous a fait quand même rigoler, franchement, parce que pour arriver à le suivre dans ses équations mathématiques, etc., etc. À la fin, il disait, bon, c'était que le commencement, je répète, ou je ne sais plus comment il disait, mais il nous a fait rire quand même. Mais à un moment donné, mon cerveau, il a essayé de comprendre, mais il a lâché prise. Hein. Sincèrement, dis-moi, Sandrine, si tu passes par là, dis-moi si tu as pu suivre entièrement, parce que moi, mon cerveau, à un moment donné, non, non, calculer, calculer, non, c'est pas possible. Ah, mais c'était trop génial, quoi. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une dame ici, d'après la photo, ouais, je crois que c'est endormie ou bien elle écoute avec les yeux fermés. Voilà. Ah, je suis désolée, hein. Là, c'est pas moi qui ai mis la photo, mais voilà, la photo, elle y est. Il y a une dame qui s'est endormie. Donc, je crois ou qu'elle a écouté avec les yeux fermés, ça se peut, je sais pas. Elle devait être fatiguée. En haut, voilà, en haut des gradins, c'est là que j'aurais aimé être, moi, dans les gradins, parce qu'il y a de l'espace, vous voyez. Donc, moi, j'étais vers le fond, là-bas. On était vers le fond avec Sandrine. Bon, j'ai pas pu tout voir parce que à un moment donné, je suis partie un petit peu avant midi. Je suis partie un petit peu avant midi et après, ben, il a fallu que je parte bien avant 16h pour pouvoir aller à Toulouse et tout parce que déjà, il fallait que je marche à pied pour aller prendre le bus, tout ça, donc. Alors, il y avait un grand écran où tout le monde pouvait suivre, hein, bien entendu. Ceux qui n'étaient pas devant, on pouvait le voir de toute façon. Alors, je voulais vous montrer la photo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Alors, je n'ai pas pu voir Laurent Marchand. Alors, voici Grishka. Et Laurent, eh ben, l'année prochaine, peut-être, je viendrai te voir. Voilà. Ou ben, la fin de l'année, ça dépendra si tu reviens sur Toulouse. Donc là, je ne pourrais pas y aller. Il y a le très sérieux festival de l'étrange. Et malheureusement, ça fait pour moi, ça fait beaucoup trop loin. Je ne peux pas partir en laissant mes animaux si je n'ai pas quelqu'un pour s'en occuper. Et donc là, on m'a répondu, le très sérieux festival de l'étrange m'a répondu, cette photo a été prise lors du colloque international, d'accord. Voilà, qui a lieu, on me dit qu'il y a le festival de l'étrange du 29, 30 juin et 1er juillet 2018 à Valensole. Il va falloir que je regarde déjà où se trouve Valensole, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Alors, donc Jean-Jacques Charbonnier, il avait marqué sur son mur que j'ai fait un copier-coller. Une capture filmée de l'ensemble du colloque sera bientôt disponible. On vous tient au courant, bien sûr. Voilà, donc le colloque de Paris, je l'ai vu. Lui, je l'ai vu en vidéo sur YouTube. Donc, j'attends le colloque de Toulouse pour revoir quelques extraits que j'ai loupés. Juste un petit mot, on est à quelques secondes du lancement officiel de ce colloque international qui se déroule à Toulouse. Ça fait des semaines, hein, des mois même, qu'on y travaille. On est en coulisses, je vais juste vous montrer.
quelques secondes l'ambiance générale qui règne, la salle qui est quasiment pleine. De toute façon, tout était complet. Hein. Non, voilà, moi j'étais par là, ici, là, à droite. Pour réunir. Ouais, ben voilà, ça fait deux mois, un minimum deux mois que j'avais réservé ma place. Alors, moi, ce que je voudrais, donc, le bracelet, bien sûr, ben là, c'est chez moi, hein, c'est, voilà, avec mon ordinateur, le bracelet. Et, alors, me voilà, ici. Alors, quand je me vois, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai du poids à perdre, c'est une vraie catastrophe. Et voilà, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que j'ai eu la chance, donc je l'ai noté ici. Voilà, incroyable, j'ai réussi à avoir une photo avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. J'ai posé mon sac et mon manteau par terre, puis je suis allée le voir. Et incroyable, c'est, je dis merci, de toute façon il faut que j'aille le remercier en privé, parce que en plus, bon, j'avais pas le temps d'écouter sa conférence, puisque moi je partais. Alors, Inès Laine qui me dit « Et à votre retour, le sac et le manteau n'étaient plus là ?» J'ai rigolé. Elle m'a fait rire. Alors, j'ai marqué. Oh, c'est trop marrant. « Si, j'ai une dame avec qui nous avons fait connaissance. Elle a ramassé le sac et le manteau. C'est adorable de sa part. En plus, dans ce genre de colloque, je ne pense pas que les gens ont cette mentalité d'aller voler mes affaires par terre, à part les détracteurs, bien sûr. » Et Sandrine qui a répondu, c'était bien normal, tu aurais fait pour moi aussi. Et oui, on ne se connaît que depuis hier, mais on se tutoie déjà, c'est la magie du colloque. Cette photo a été faite dans un élan du cœur, je confirme, pas de conscience analytique dans cet acte, et tant mieux. Ah ouais, là je vous dis pas, et ah, mais le médecin il aurait pu m'envoyer balader, il aurait pu avoir des gardes qui arrivent et tout, parce qu'on est quand même dans le casino de Barrière, on aurait pu, voilà quoi, m'interdire quoi que ce soit. Hein. Tant pis, je suis allée au culot. J'avais peur au début, je me disais, mais non, tu vas pas faire ça, en plus il y a du monde et tout, mais non, tu vas pas faire ça. Et puis bon, j'ai tout posé par terre, j'ai dit j'y vais. Alors là, je suis partout. Où maintenant? Ah oui, d'accord, je sais où je suis tombée. Voilà. Non, mais c'est rien, ça arrive. Hein. Ah, c'est mon petit chat, Kimono, qui fait miaou. Alors, il est à gauche ou à droite? Oui, parce que moi, j'ai deux entrées et deux sorties. Allez. Ah. Voilà. Oui, donc j'ai deux entrées, deux sorties, façon de parler, et puis plus la porte d'entrée. Mais bon, je suis pas là pour raconter comment est mon appartement. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est super le colloque. Alors, il me reste deux cartes encore. Voilà, vous voyez, c'est des cartes comme ça qui pour l'instant ne sont pas passées. Je ne sais pas si vous voyez, ne sont pas passés à l'ordinateur, donc il faut que j'aille chez quelqu'un pour les faire passer. C'est pour ça que je n'ai pas pu mettre toutes les photos et les vidéos. Alors, Le Guerrier Pacifique, c'est un film que j'adore. Le Guerrier Pacifique, film complet en français. Alors là, cette petite vidéo, elle est marrante. Pourquoi? Alors, pourquoi je l'ai partagée? Parce que quelqu'un qui dit, à force de reculer l'âge de la retraite, voilà ce qui va arriver. Alors, voilà ce qui va arriver. Bonjour.
Alors là, franchement, je dis bravo, parce que franchement, il fallait vraiment la trouver, cette petite vidéo, quoi. Ah, mais j'ai trop aimé. Mais franchement, l'Alzheimer, le monsieur de la sécurité avec son déambulateur, non, mais franchement... Alors, attendez, je suis où, moi? Ah oui. Oui, non, parce que comme j'ai plusieurs trucs ouverts partout, je ne sais plus où je vais, où je suis. Faut pas s'inquiéter. Les petites biches. Alors, donc voilà. Donc je vais mettre cette vidéo à leur YouTube. J'en ai tellement d'ouverts que je ne sais plus non plus où je suis. Alors, est-ce que je suis sur la bonne page? Oui, donc, voyons ma chaîne. Alors, ma chaîne. Ah oui, j'ai quand même eu 51 vues. Ah, quand même, j'avais pas vu. Alors, celle-ci, je sais pas. Alors, 29 vues. Mais bon, je pense que peut-être que YouTube me l'a enlevé. Je sais pas, parce qu'il y avait la musique, tout ça, 29 vues. Bon, en tout cas, elle est super celle-là. Moi, je vous la conseille. Si vous la trouvez, cette vidéo du papy des petites qui dansent avec la musique, là, super. Vraiment entraînante. Ah là là, le compteur Linky qui a pris feu, j'ai eu 684 vues. Il y a 3 mois. Ah, ça fait du monde quand même. J'ai eu 43 vues pour Aurélie. 7 vues. Alors là, c'est dommage parce que, voilà, je marque l'être humain est devenu fou et il n'y a que 7 vues. Pour essayer. J'essaie d'alarmer les gens. Un chat dans la vitrine, j'ai plus de vues dans un chat dans la vitrine que l'être humain est devenu fou, quoi, pour faire essayer un petit peu de faire ouvrir les yeux aux gens. 16 vues, voilà, pour un magasin de jouets club, alors qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus, plus intéressantes, quoi.
Bon, petit tour dans le parc avec les chats, oui, bon, ça je sais que les gens, ils adorent ça, ils regardent. Alors, je fais portière hein, chez moi, voilà. Je dois me lever. Bon, en même temps, ça me fait faire du sport. Mes chats me font faire du sport. Alors, ensuite, 34 vues pour la vue aux oiseaux vendus dans un décathlon. Bon, la dame a été correcte avec moi. Moi, j'ai été correcte avec elle. Voilà, j'avais bien précisé que j'enregistrais. Donc, je mets les points sur les i, 17 vues, 28 vues. Marie-Christine, donc j'ai là, il y a eu 13 vues il y a un mois. L'attachement, 26 vues. Alors, personne sous tutelle, chez les témoins de Jéhovah, 133 vues. Alors, ce qu'il y a, de toute façon, je vais avoir ma réponse, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai arrêté, j'ai pas cherché. Normalement, les psychiatres ne sont pas pour les témoins de Jéhovah. Hein. Voilà, donc souvent, il y a des personnes qui sont sous tutelle, mais ils ne le disent pas aux témoins de Jéhovah, à leur psychiatre. Ouais, ouais, ils cachent bien leur jeu. Mais oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y en a, ils sont manipulateurs. Alors. Centre-accord, j'ai eu 41 vues. Après, je sais même plus ce que c'est. J'ai mis des trucs, mais moi-même, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Je ne sais même plus ce que j'ai mis. Je n'ai même pas marqué ce que c'était. Non, parce que des fois, je ne sais pas quoi mettre comme titre. Là, je ne sais même pas ce que je vais mettre comme titre pour cette vidéo. Donc après, moi, je ne me rappelle même pas, quoi. Ah oui, 49 vues pour le petit tour au marché de Noël à Auch. Alors. Il y a pas mal de vues quand même. Hein, aucune vue pour le chat Interflora. Il y a 6 jours. Hein, personne n'a regardé le chat Interflora. Alors, à ne pas confondre, donc moi-même, ça doit être l'Alzheimer bientôt, je sais même plus ce que c'est comme vidéo. J'ai mis une vidéo à ne pas confondre, mais je sais même plus de quoi j'ai parlé. Voilà, Donc, quand je serai vieille, que j'aurai l'Alzheimer, je pense que sans doute je vais réécouter mes vidéos sans savoir que c'est moi qui les ai mises, bien entendu. Puisque moi-même, je me souviens pas de ce que j'ai mis. Ah, pour la vieille maison vandalisée, si, par contre, ça, je m'en souviens. 56 vues. Il y a 2 mois. Ah oui. Et moi qui rentre sans toucher la porte, là, entre. Sans toucher la porte, en me disant, j'espère qu'il n'y a personne derrière. Il y a quelqu'un. Bon, après, s'il y a quelqu'un derrière, c'est pas grave, mais. C'est surtout les. Moi, ce qui me font le plus peur, moi, c'est les fantômes, hein. Les fantômes méchants. C'est pas les êtres humains vivants, eux me font pas peur. Donc, si, s'il y en a un qui surgit, bien sûr, je vais avoir peur comme ça, mais je me méfie, moi, des fantômes. Oui. Alors, 26 vues pour le balade au parc. Donc, comme ça, de toute façon, tout le monde sait que je me balade avec les chats. C'est pas nouveau. Quand je suis venue habiter ici, j'avais bien dit que j'avais des chats, etc. Donc, chaque fois que je déménage, les gens, ils savent que j'ai, partout où je vais, ils savent que j'ai des chats. C'est pour ça que je prends un jardin. Mais le plus souvent, ils restent chez moi, dedans, là. Alors, Biocoop, magasin. Alors. Ah.
voyons, je voudrais aller voir si, si celle-ci, elle existe encore, la 14 vues, il y a 3 mois. Bon, attendez, je ne sais pas si elle existe encore, ou est-ce qu'elle y est toujours ou pas. Oui, alors voyons, est-ce que quelqu'un m'avait écrit par contre? Non. D'accord. D'accord, ok. Oui, elle est toujours. D'accord. Oui, parce que j'avais quelqu'un qui était venu là, parce que j'avais parlé d'un sujet précis, etc. Et cette personne était venue m'enquiquiner. Alors, 36, alors il y a 3 mois, j'ai eu 36 vues pour les pierres. Voilà. M'enquiquiner parce que j'avais mis 3 vidéos qui dérangeaient cette personne. Là, les témoins de Jéhovah, là, il y a 2 mois, il y a eu 92 vues. Bah, écoutez, il faut que tout Hoche regarde d'ailleurs, parce qu'on est entouré de témoins de Jéhovah. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que, Ah oui, donc j'avais mis 3 vidéos où je parlais d'un sujet précis. Puis il y a quelqu'un là qui a commencé à venir m'enquiquiner en me disant que j'avais intérêt d'enlever ces vidéos, nanani, nanana, talala, lalala. Donc bon, pour faire plaisir à cette personne, je me suis dit, bon allez, je vais en enlever une manière. Et puis j'ai attendu, et puis la personne est revenue me relancer une deuxième fois en me disant que j'enlevais une, il fallait que j'enlève les 2 autres. Bon, je me suis dit, bon, voyons jusqu'où va aller cette personne. Donc, pour lui faire plaisir, j'enlève la deuxième vidéo. Donc, c'était sur un sujet, hein, bien entendu. Et j'attends. Et là, il revient à l'attaque, le type, et il me dit que voilà, que si j'enlève pas la 3e vidéo, toutes mes vidéos de YouTube donc, vont être supprimées, etc., etc. Alors, j'ai pas cherché à comprendre. Lui, je l'ai déclaré à YouTube. Toc, voilà, harcèlement, tout ce que vous voulez. J'ai pas cherché à comprendre. Et ma 3e vidéo, je l'ai gardée. Et j'ai gardé toutes mes vidéos. Et moi, la seule chose que je peux vous dire, mais c'est que je m'en fous que YouTube m'enlève d'un coup toutes les vidéos. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je veux dire, j'en ai plein de comptes ouverts partout. J'en ai plein. On peut m'enlever celui-là, j'en ai plein déjà d'ouverts. Ne croyez pas que j'ai qu'un compte. Faut pas rêver. Mais ça, je m'en fous. Donc, du coup, j'ai voulu voir jusqu'où allait cette personne. Donc, voilà, j'ai enlevé manière 2 vidéos. Là, je me suis dit, bon, la personne, quand même, là, non, j'ai dit non. Moi, ce genre de menace, déjà, ça ne fait pas peur. C'est pas la peine. Mais j'attends toujours de voir jusqu'où va la personne, quoi. Puis après, à un moment donné, hop, j'ai écrit à YouTube, j'ai expliqué les faits, tout ça, contre harcèlement, etc. Et voilà. Donc, la personne ne peut plus, à part changer de compte, bien sûr, pour venir voir ce que je mets sur YouTube. Mais toute personne indésirable qui mettront quelque chose qui ne me convient pas, j'enlèverai. Voilà. Maintenant, je ne veux plus m'amuser à bloquer juste les gens, parce que les gens, ils sont juste bloqués, mais ils peuvent passer par d'autres comptes. Ça, c'est pas un souci. Mais maintenant, non, je signalerai à YouTube. Et vu que je prends en photo tout ce qui a été écrit, et je me fais des photos, je les mets à part dans un dossier spécial YouTube. Donc, voilà, avec le nom de la personne ou le pseudo, c'est souvent aussi souvent des pseudos. Voilà. Ah, témoin de Jéhovah 4, 73 vues. Faut que j'en refasse une autre, tiens. Bon, mais je sais pas quand.
Ah, il faut que j'aille, je passe la pharmacie, là, j'ai un truc, là, j'ai des petites gouttes pour les yeux à récupérer. Et en même temps, je crois que j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail. Oh, ma nouvelle copine. Oh, il y a une 29 vues en 4 mois. Oh, je suis contente pour ma copine. La chienne, quand je passe, oh, je l'aime. Je l'aime. Après, moi, je m'en fous de moi, quoi. Je veux dire, même si on voit pas ma tête, moi, je m'en fous. J'adore faire des petites vidéos comme ça. Quoi, je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui aiment bien quand je fais des vidéos sur les achats, sur les magasins. Alors, je ne sais pas qui adore ça parce que on m'a pas mis de petits mots. On ne m'a pas mis. Alors, si, il y a certains trucs où on m'a mis des petits mots, oui. Mais. Oui, achoum. Alors voilà, moi je préfère que vous allez écouter, alors pas ma vidéo, ça je m'en fous, moi je le mets juste pour que vous ayez accès, allez écouter Jim Leveilleur. Jim, Jim Leveilleur. Allez écouter ce qu'il dit, voilà. C'est beaucoup plus intéressant que ce que moi je mets, quoi. Voilà ce que moi je mets. Moi, je suis là pour vous donner des noms et aller voir. Voilà, aller voir ces personnes, etc. Moi, je suis plus pour ça, quoi. Voilà, moi, j'ai beaucoup suivi Roger Lannoy dans ses conférences en vidéo sur YouTube. Hein, vous pouvez. Alors, j'ai le vieux chat qui s'installe chez moi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tout est dit. Bon, je sais même plus. Je sais même plus ce que. Je sais même plus ce que j'ai mis, quoi. Promenade avec mes chats. Ah, c'est moi. Oui. Ah, c'est moi. Mon Dieu, que c'est moi. Alors, là, j'avais fait une vidéo où je vous avais mis un monsieur. Alors, se dégager des personnes qui ne vous conviennent pas. Donc, je ne sais plus ce qu'il avait dit. En gros, hein, je ne me souviens plus de la vidéo entièrement. Mais je vous l'avais montré, voilà, pour que vous écoutiez un petit peu. Mais moi, je me dégage de ces personnes. Mais elles viennent à moi. C'est incroyable, quand même. Elles viennent à moi. C'est. Waouh! Je sais pas, j'ai un truc à leur apprendre. Je sais pas, je dois leur apprendre sans doute quelque chose parce que ces personnes qui ont des problèmes, il faut qu'elles viennent à moi. Ça veut dire que moi, je ne vais plus vers ces personnes. Mais il faut qu'elles viennent me voir, mais même jusqu'à chez moi. Il y a des gens, c'est, mais non, mais incroyable quoi. Il y en a un, c'est le frère de la copine de mon voisin du dessus qui vient faire du tapage et c'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, je m'étais dit, je montre vraiment la vérité parce que les gens disaient que je disais n'importe quoi, que je mentais, que je suis folle et tout. Ah ben écoutez, à un moment donné, je suis dans l'obligation de montrer que ce que je dis est vrai. Donc j'ai pas le choix. Voilà. C'est pas compliqué comme ça. Là, on peut pas me dire que c'est pas vrai. Voilà. Et en plus, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas venu m'embêter qu'à moi. On est venu embêter ma petite voisine d'à côté. Alors là, par contre, j'ai pas été contente. Hein. Non, je suis pas contente. Non, on vient pas. Et mon voisin d'en face non plus. Hein. J'ai pas envie qu'on vienne embêter. Moi, les deux en bas.
tout va bien, donc ces deux personnes, on ne les embête pas. Là, par exemple, je vous donne un exemple. Voilà. Là, j'ai eu 14 vues pour petite boisson du lundi. D'accord ? Mais par contre, je n'ai eu que 4 vues il y a 2 semaines pour les oiseaux ont besoin de nous en hiver pour survivre. Bah, moi, je préfère quand même que les gens aillent voir pourquoi et d'où je sors ça. Parce que c'est expliqué dans la vidéo. C'est expliqué tout ça. Je dis pas ça comme ça. Hein, la petite boisson du lundi, on s'en fout, quoi. Je veux dire, je le mets. Mais à choisir, aller voir plutôt... voilà. Le repas du soir, de ce soir, 16 vues. Alors que c'était plus important d'aller voir pour les oiseaux. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai fait une vidéo sur psychiatre, moi. Donc, il y a eu 20 vues. Bon, je sais même pas ce que j'ai dit au psychiatre. Ou sur le psychiatre, j'en sais rien. Voyons. Bon. De toute façon, j'ai enlevé le son. Oh, il est toujours en train de descendre. Raccroche-toi bien. Oh, voilà. Donc, oui, j'ai le vieux chat là sur moi. Voilà. Voilà, j'ai le vieux chat qui est sur moi. Il faut que je l'amène chez le vétérinaire parce que je vais voir s'il est pucé, parce qu'il n'a pas de tatouage. S'il est pucé, pour pouvoir prévenir son humain qui s'en occupe, qui normalement... Alors, est-ce que son humain est toujours en vie ou pas? Est-ce que c'est une personne âgée qui est partie, je sais pas, dans une maison de retraite? Est-ce que c'est une personne âgée qui est décédée? Je ne sais pas. Il faut que j'aille juste voir déjà s'il est pucé, s'il y a un numéro de téléphone où je peux joindre la personne pour rassurer la personne que son chat est là. Et en même temps, je vois qu'il a mal à l'œil gauche. Donc, il faut que je voie avec le vétérinaire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce chat. Voilà. Donc, tout est déjà prévu, bien entendu. Voilà. Et oui, oui. Parce que c'est bien beau qu'ils viennent chez moi. Ils adorent être chez moi. Et puis, en même temps, ils se sentent bien chez moi. Puis, ils ont une mission de vie aussi à faire. Mais quand même, il faut que je prévienne leur humeur. Il faut pas... Bon, allez, avec tout ça, je vous laisse. Au revoir.